Qu'il existe un arbre possédant des pouvoirs de guérison prodigieux, capable de changer le monde. Je cherche cet arbre depuis longtemps. Mais la jungle protégeait les larves. Selon les historiens, son voyage se termina sur un échec. Mais la légende nous révèle qu'il fut retrouvé par les gardiens de l'arbre et ramené à la vie. Qu'il leur ordonna de lui remettre la pointe de flèche sacrée, la clé pour découvrir les larmes de lune. Et qu'il les attaqua. Mais la jungle se défendit. Aguirre et ses conquistadors furent capturés, maudits. Condamné à ne jamais quitter des yeux le fleuve, sans jamais pouvoir fuir ni mourir, à en croire la légende. On va mourir! Aluchin! Que j'ai eu l'honneur de refuser lorsqu'il m'a été soumis par une femme se prétendant auteur. J'ai pas l'habitude de voir une femme en pantalon, voilà tout. Vous vous intéressez trop à mon apparence, Franck. Faites-vous une raison. La jungle se fiche de vos robes de soirée. Il n'est pas question que j'embarque tous vos bagages. Pas les miens. Les miens. Et je vous assure que chacun de ces accessoires est essentiel et nécessaire à ma survie à bord. En route pour le front ? Je n'ai pas peur. J'ai dû dire à la jeune fille en question que je ne pouvais accepter son offre. Ou en réalité, toute autre offre, étant donné que mon bonheur et mes inclinations m'entraînent autre part. Eh bien, à autre part. Mon oncle a menacé de me déshériter. Amis et famille m'ont tourné le dos. Tout ça parce que j'aimais autrement. J'aurais sans doute été totalement ostracisé. Mais Lily m'a sauvé. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Qu'êtes-vous, juste? Vous ne saignez pas, je crois que vous respirez. C'est impossible. Les pétales réparaient tout ce qui était brisé. Et tous à la fois, nous avons pu renaître. Nous serions tous morts s'ils ne nous avaient pas sauvés avec les larmes de lune. La magie du pétale était réelle.
Pourquoi cette effervescence parmi les nations? Pourquoi les peuples trament-ils de vains complots? Les rois de la terre se dressent ensemble et les princes se joignent pour conspirer contre le Seigneur et contre son Christ. Nous prions pour qu'ait lieu la dissolution des sociétés secrètes et l'éradication de toute forme de subversion et des mœurs contre nature. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria.